Regarde bien, je pose une table de craft et aujourd'hui je peux fusionner 9 pioches en ésoïde. Tada! Regarde ça, la pioche ultime. Tu veux savoir c'est quoi son pouvoir? Eh ben regarde la vidéo. Yo! C'est le capitaine, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour fusionner 9 pioches en ésurite ensemble. Tu vas kiffer. Franchement, fais-moi plaisir. Si la vidéo te plaît, je t'invite à t'abonner et activer la cloche. C'est très important. Et bien sûr, reste jusqu'à la fin. C'est parti! Allez, c'est parti pour une nouvelle aventure! Aujourd'hui, je peux fusionner 9 pioches en ésurite ensemble. Et tu vas voir que grâce à ça, on aura une pioche ultime avec des pouvoirs de fou. Donc c'est parti, objectif, rush le diamant. Pourquoi le diamant? Parce que regarde, sur moi, j'ai déjà un bloc de ésurite, d'accord? Donc pas besoin de farmer la ésurite. Par contre, il faut qu'on trouve du diams pour fabriquer 9 pioches en diams qu'on va transformer en pioche en ésurite pour la fusion. Allez, c'est parti, l'aventure commence par du bois et on va commencer par casser l'arbre par en haut. Donc c'est parti. Objectif, rush le diamant. Il va falloir qu'on trouve un max de diamants. T'inquiète pas, ça va aller vite. Aujourd'hui dans cette map, on a beaucoup de diamants. C'est une map spéciale. Hop, allez, table de craft, parfait. Sans hésiter, une pioche et une hache. Hop, dans le bon ordre. Casse ça. On va replanter. Il y a pas beaucoup d'arbres ici, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a pas beaucoup d'arbres. Voilà. Tiens, avec ça une épée d'ailleurs. Hop là. Casse ça. Allez, c'est parti, il y a des vaches. Donc là rush diamant. Déjà la bouffe pour les miner, c'est tranquille. Donc hop, à l'attaque. Les moutons pour la laine uniquement. On aura de quoi fabriquer un lit comme ça. Puis on va direct chercher une mine. Bon, il y en a déjà une là, regarde. Non, c'est pas vraiment une mine, mais un peu. Ah, ah si, si. Mais je sais pas si c'est un accès de ouf. On va voir si on a pas une autre plus simple. Voilà, parfait. On rush le diams. On fabrique 9 pioches en diamant. On les transforme en netherite. Très facile à faire. Tu vas voir, ça prend 2 secondes. Il faut une table d'amélioration. Ultra facile à fabriquer. Et ensuite, je te montre la pioche cheatée. Donc c'est parti. Bien évidemment, on reste bien jusqu'à la fin pour ne pas manquer cette pioche. Ce serait dommage, hein. Et pas de tricheur, hein. On reste jusqu'à la fin, du début jusqu'à la fin. Pas le droit d'avancer. Allez, c'est parti. Toi tu meurs, toi aussi. Bon, on a pas mal de steaks, j'ai jeté les steaks de mouton, on va optimiser. Aujourd'hui c'est du rush diamant, donc on prend juste de quoi avoir, de quoi se nourrir. Bon, il y a un village là-haut, en vrai, on pourra aller voir, faudrait qu'on aille voir, on va aller voir. Juste avant, on va casser cet arbre là vite fait. Prendre un peu de pierre, peut-être les outils en pierre. On va fouiller le village, voir s'il n'y a pas des trucs intéressants. En vrai, des fois tu sais, dans les villages il y a des trucs de fou, genre il peut y avoir du fer déjà de base, de l'obsidienne, tout ça. Alors là on a une très jolie zone. Ah bah voilà, ça c'est une mine très sympa ça. Allons voir, toi tu meurs. Bon alors, comme je t'ai dit, c'est un rush diamant aujourd'hui. Voilà pour rush diams. Donc déjà priorité, 3 de pierre. Tu connais la chanson, 3 de pierre directement, la pioche. Ça, c'est prioritaire. Hop, on jette ça en position 2. Alors, ça, c'est bon. On prend un peu plus de pierre, encore une fois, pour les outils, le four, tout ça. Donc là, il y a du charbon, on va prendre très vite fait aussi. Voilà. Donc là, on prend des ressources dont on a besoin. J'entends un zonzon. Il est là. Oui, waouh. J'avoue, je suis un peu peur. Je pensais pas que c'était aussi à côté, en fait. À mon avis, il était juste là. Le temps qu'il approche, c'est rapide. Donc là, je prends ça. On est couche 69. Ce qui veut dire que c'est un peu haut pour le faire encore. Voilà, ça, c'est cassé. Bah, dis donc, c'est du filon, ça. On reste encore là. Ok, ça, c'est très bien. Avec toute la pierre qu'on a, sans hésiter, bien évidemment. La hache, la pelle, l'épée. Ok, c'est pas mal tout ça. On va remplacer, hop, hop, en troisième, en premier, en quatrième, les blocs là. Ok, ça c'est bien. Un four, on sait jamais, ça peut servir. C'est bon, on va en prendre un peu plus. J'explore très vite fait, voir ici s'il y a une entrée. S'il y a une entrée, ça nous intéresse. Il y a genre du fer aussi, ça descend un peu, donc pas par là apparemment. Ah, faudrait qu'on trouve un mouton de plus pour avoir une laine de plus. C'est bien d'avoir un lit, ça peut toujours sauver la vie. Ah oui, on a dit qu'on allait voir le village, on va aller voir le village. Ah, il y a un squelette. C'est un peu étroit ici, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Bon, c'est déjà pas mal, on va aller récupérer. Bah, tu sais quoi, en fait, on va trouver un lit dans le village, on s'en fiche de ça en fait. On va aller trouver un lit nous-mêmes, rapido. D'ailleurs, regarde, au passage, on va prendre un peu de bois parce que je t'ai toujours expliqué avant de partir miner, il faut du bois. Ça, c'est la règle d'or de tout joueur de Minecraft. Donc, on va appliquer cette règle. Déjà, on va appliquer une règle plutôt sympathique. La règle du quand tu as un four dans les nouvelles versions, et bah, tu fabriques un four rapide. Voilà, comme ça, on aura de quoi mettre nos steaks au four. Hop, attends, on va replanter, bien évidemment. On pense à l'environnement. Voilà, parfait. Casser cet arbre-là. Alors, on va aller voir le village et le portail qui est là-bas parce qu'il y a des coffres à côté des portails. Puis après, direction le fer et roche diamant. Je casse ça. Tu vas voir la pioche. La pioche x9 que tu as vu en début de vidéo. A des pouvoirs incroyables. Je te dis pas c'est quoi, c'est ça la surprise. Eh oh, pas, faut pas tricher. Faut regarder la vidéo pour savoir les pouvoirs. Hein. Hop là, c'est bon, on en a pas mal. Ça comme ça, très bien. Bah allons-y, allons par là-bas. Il y a une vache ici au passage. On a vu qu'on a tué pas mal de vaches. Go continuer en vrai. Bon, je prends que de la bouffe, je prends que des steaks, hein. Comme ça, ça prend moins de place, tu vois. Donc là, tu vois, il y a un coffre là. Oh, c'est très joli comme mine ça. Il faut qu'on aille voir. Hein. Il faut qu'on aille voir, mais juste avant. Juste avant, opération, récupérer le coffre qui est ici. Alors il y a de l'or. Bon, l'or on s'en fiche. Hein. Sharpness 2. Alors ça, par contre, ça m'intéresse. Il y a pas mal de fer sous forme de trucs comme ça. L'obsidienne éventuellement. Je suis pas sûr qu'on s'en serve, hein, je t'avoue. Normalement, il y a un seul coffre. Hein. Des fois, il y a deux coffres, mais ils sont un peu cachés. Déjà, premier truc qu'on va faire. Hop, regarde la magie. Hop là. Une pioche en fer. C'est gratuit. Qui dit mieux? Hop, c'est jeté. Bon, ça. Allez, allons voir le village. Ouais, c'était intéressant ce petit portail. On peut pas casser l'obsidienne, on a pas de pioche en diable. De toute façon, le nether nous intéresse pas spécialement aujourd'hui, je t'avoue. Hein. C'est pas la priorité. Ça, c'est joli. Regarde, c'est un village dans une colline. T'as vu? C'est la classe, hein. Alors, j'espère qu'il y a un tout petit peu de bouffe instantanée.
instantané parce que pour l'instant je n'ai pas mis les steaks au four et j'ai faim en fait. Donc logiquement comme c'est un village il devrait y avoir de la bouffe, j'espère bien. Déjà on va piquer un lit, puis on va direct foncer dans les mines. On va pas s'attarder dans le village, hein. C'est vraiment objectif, objectif. Hop, hop, voilà un lit, merci bien. Je range ça ici. Bon ça on n'en trouvera pas plus, hein. C'est pas la peine de garder. Il y a le golem ici. Donc là il y a du blé pour nous, parfait. Bon je vais prendre un peu de blé, j'ai fabriqué un petit peu de pain. Logiquement on devrait en avoir pas mal quand même, voilà. Ça devrait en faire, voilà, 9, c'est très bien. Bon, ça devrait être bon pour un début de minage. Bon, tu sais quoi, attends, il y a un pot de blé ici, j'en profite. Ah, c'est pas tous les jours qu'on croise autant de blé comme ça. Bon, on en prend pas tant que ça non plus, on aura les steaks après. Mais là, ça nous fait gagner du temps, tu vois. Les steaks, faut les mettre au four. Là, l'avantage, c'est qu'on a de la bouffe instantanée. Ça, c'est cool. Bon, comme je t'ai dit, je regarde du test, il n'y a pas des coffres dans ce village, mais alors vraiment très vite fait. Il y a moins de coffres qu'avant, en vrai, dans les villages. Il y a pas mal de trucs, ça, c'est pour la stone, par exemple. Maison là. Dans la forge, il y a des trucs intéressants, généralement. Là, il y a un four rapide. Ça c'est cool, pour le rapide minerai, ça c'est très cool. Ouais ça c'est cool, ça nous fait gagner du temps. En plus le four faut un peu plus de matériaux quand même pour le fabriquer, notamment 5 de fer. Donc c'est bien qu'on l'ait eu gratuit. Et là nous avons une grande maison, il y a des coffres quoi. Oh il y a un coffre. Voilà encore du pain, bon le reste j'avoue, éventuellement sont... Ouais attends j'ai une idée, on va fabriquer des flèches. Bon allez, direction les mines là-bas, juste avant fabriquer quelques petites flèches grâce au poulet. Alors ce qui m'intéresse, non c'est pas ça, c'est les plumes, je veux des plumes de poulet. Ah il y a des poulets par là, ça tombe bien. Donne ta plume. Voilà. Bon allez, direction le fer, direction le diable, c'est un rush. Je te rappelle, là il y a une gigamine qui nous attend. Attends, je vois juste deux poulets. Ce que je veux, regarde, c'est gagner de la place dans l'inventaire. Je vais te montrer ce que j'ai envie de faire. Alors, par contre, faut donner des plumes, les poulets. Non. Voilà, c'est bon, je te montre. Regarde, c'est bon. J'ai eu des plumes. Hop, voilà. Donc, ça, on a 20 flèches. Comme ça, si on récupère un arc d'une façon ou d'une autre, que ça soit avec un squelette qui meurt ou bah, du fil, hein, si on en a, et bah, on aura des flèches. Toujours pratique. Bon, allez, go dans cette magnifique mine là qui a l'air trop sympa. En plus, on a une pioche en fer à inaugurer. Tu sais quoi, pour gagner du temps, on va directement mettre ça au four. Ouais, on va mettre les steaks au four. On va les diviser quand même. Alors, de remonter ici juste pour pouvoir monter si on a envie. Voilà, j'ai fabriqué un deuxième four rapide, comme ça on va pouvoir mettre le reste ici. Voilà, comme ça ça cuit. Pendant ce temps là, nous on peut miner. Voilà, c'est optimisé. Toujours optimisé dans le jeu. Règle d'or. Il y a quoi ici? Ah, il y a une hache. Ok, combien de charbon j'ai? Pas tant que ça, donc on va prendre ce qu'il y a ici. Je sais, il y a du fer. J'ai vu le fer, t'inquiète, il a que soi. J'ai vu le fer aussi. Ah, là il y a de l'eau. Ça, c'est pas les meilleures galeries du monde. En fait, il y a de l'eau partout. On va pas miner par là parce que flemme des galeries immergées. Je sais pas pourquoi dans les crafts, il y a plein de galeries dans l'eau. C'est stylé, mais franchement, c'est une galère de miner là-dedans. Flemme, hein. Flemme, flemme, flemme. En plus, regarde la galerie qu'on a. Alors, il y a un creeper. Oh, il a explosé, c'est pas grave. Squelette, toi, tu meurs. Un autre squelette. Voilà. Ouais, c'est une très jolie mine. Prendre le fer qui est là. Il y avait juste un de fer ici. Ok. J'avais du fer par là aussi. Là, il y en a un peu plus. Ok. Ok, c'est des super galeries. On a bien fait d'aller là. Alors, je t'explique le diamant. En fait, je me suis renseigné sur le diamant dans Minecraft. Maintenant, on le trouve très très bas, le diamant, en fait, comparé à avant. Après, t'inquiète pas, dans cette map, il y en a beaucoup. Non, parce que là, le diamant, il nous en faut au moins 3x9, donc au moins 27 diamants, au minimum. Mais on va en trouver très très vite. T'inquiète pas, il y en a beaucoup. C'est une map spéciale avec beaucoup de diamants. Enfin, plus. C'est la normale, comme ça c'est plus facile. Ça évite de miner pendant des heures, hein. c'est pas très fun, on va se mentir. Ouais. Alors, moi je propose le dodo, ça il fera jour. Non, en vrai, vu qu'on va miner, on pourrait ne pas dodo. En vrai, on pourrait ne pas dodo, ça ferait même moins de mobs, mais bon. Trop tard, il est trop tard. Alors, oui, les steaks. Ah, mais j'avais pas mis assez de. Non, mais vraiment, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, du coup, on a beaucoup de pain. Enfin, c'était prévu aussi. Ouais, 3 de fer, c'est pas foufou. On va trouver un peu plus de fer quand même. Il y a le charbon par là. Bon, charbon, j'en prends, comme ça on est tranquille et comme ça on en prend plus. Hein. C'est toujours comme ça la stratégie de toute façon. T'en prends et quand t'as un stack, t'arrêtes de miner. Parce que bon, on va pas se mentir, un stack ça part pas comme ça. Y aurait-il des ressources? Il y a beaucoup de cuivre hein, dans ce jeu maintenant. Hein. C'est bon. C'est marrant parce que le cuivre ça a vraiment. Enfin, t'aimes bien le cuivre toi dans le jeu ou pas? Dis-moi en commentaire. Franchement, je m'en sers jamais du cuivre. Enfin, je sais, ça a des trucs stylés pour la déco, mais bon, ça a aucun intérêt. Si encore on pouvait fabriquer des outils avec, honnêtement, ce serait pas mal. Tu sais, des outils peut-être moins forts que du fer, plus forts que de la pierre, pourrait être pas mal. Ou un truc, genre. Bon, oui, je sais, on peut fabriquer des lunettes. Enfin, je veux dire une longue vue pour zoomer. Mais bon, est-ce que c'est. Et franchement, est-ce que c'est utile? Regarde, t'as Optifine, bah je peux zoomer, regarde, hein. Hop, je zoome. Voilà, pas besoin de. C'est un item qui ne sert à rien. Avec Optifine, tu peux zoomer, donc. Et ça descend par là. Il y a beaucoup de fer en bas, hein. Faudrait qu'on aille voir en bas. Très jolie galerie en tout cas. Juste prendre ce qu'il y a là ici. Combien j'ai de charbon? 48, avec ce qu'il y a dans les fours, c'est bon. Hein. Ok, je pense qu'on va être bon niveau charbon en tout cas. On va se concentrer sur le fer maintenant. Et je pense qu'on va descendre. Hein. Je vais descendre. Il y a du fer là-bas. Creeper. Vas-y, explose, c'est plus rapide. Du fer ici. Ok, bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre là où il y a tout le fer en bas. Donc, on va prendre nos fours, on va descendre. Une fois en bas, on mettra tout dans le four rapide. Bon, on a un max de steak. C'est quoi, on va manger des steaks. Enfin, on va essayer de gagner de la place dans l'inventaire, pas garder les trucs qui servent à rien. Bon, là, on va descendre. J'ai eu objectif diamant. Le diamant va aller vite, t'inquiète pas. T'inquiète pas, aujourd'hui, le diamant va aller très vite. Il y a du fer ici. Ah, ça, c'est cool, ça. Là, ça descend encore. Alors, attends, là, il y a tellement de fer ici. Qu'est-ce que je propose? Ce que je propose, c'est qu'on pose le four rapide. On met les items à l'intérieur. Là, on fight les mobs. J'ai posé la table de craft. Non, poser la table de craft aussi. Hop. Allez.
Allez, au combat. On va meurt. Je vais récupérer ça. Il y a du fer juste à côté. Ah, très bien. Par ici, nous avons de la redstone. Une autre galerie qui continue par là. Attends, ouais, c'est stylé comme caverne. Là, c'est très stylé. On est couche combien? 8. Ah, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a bientôt du diams. Alors, là, il y a du fer qui arrive. Le plastron, ça, c'est le minimum pour ce fight. Ah ah, il y a du diams. Il y a du diams, regarde. Diams là-bas. Alors, juste avant. Bon, il faudrait une épée en fer. Hein. C'est quoi? Il y aura tellement de diams aujourd'hui que je propose, avant de récupérer le diamant et pour les pioches en isolé, on va d'abord se faire une armure full diable. C'est quoi? Pour le challenge. Allez, sinon c'est pas drôle. Hop là, il y a ça qui arrive ici. Bon, moi j'aimerais bien, s'il vous plaît, dans la famille père, j'aimerais l'épée. Voilà. Hop, 3 et 1. Ok. Bon, la redstone, on prend pour l'XP. Normalement, on prend pas quoi. Donc, faut que j'aille récupérer le diamant là-bas. J'ai une épée en fer. Peut-être éclairer un peu la zone pour que ça respawn pas à l'infini non plus. C'est vrai que j'y pense pas souvent, mais c'est quand même pratique. Mince, j'ai mis. Ah non, c'est bon. J'ai de quoi fabriquer des torches. Bon, j'éclaire pas souvent dans le jeu, mais tu sais quoi? En vrai, il faut quand même. Parce que si on n'éclaire pas. Ah oui, la deuxième main est désactivée, c'est vrai. C'est Minecraft en mode à l'ancienne. J'ai peur, je t'ai vu. Hop, hop là. Bon, ça c'est bon. Il y a un petit squelette. Salut toi. Voilà, attends. On n'est pas là pour miner partout à l'infini. Nous sommes là pour trouver du diams. Donc là, il y a du diams. On va aller le récupérer. Évidemment, c'est au plafond, hein. Bon, je veux pas de squelette, s'il vous plaît. Pas de squelette. Ok, c'est généreux ça comme filon de diamant, dis donc. Bon, on a du diams, les potes. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire pioche en diams, bien évidemment. Pour le plaisir. Alors, creeple. Il est mort. Faire par là. Je sais pas si le fer, c'est encore une grande utilité, je t'avoue. Parce que là, on va avoir pas le truc en diamant. Je pense pas que ce soit la peine de miner beaucoup de fer, hein, objectivement. Hein. Ah, du diable. Ah non, je crois qu'il y a du diable de l'autre côté. Bon, peut-être juste un pantalon en fer, quand même, pour être plus résistant. Avec le diamant qu'on vient de récupérer. Attendez, je crois que j'ai dû laisser un diamant. Attendez, hop, j'ai dû laisser un diamant là-bas, je pense. C'est vrai qu'il y en avait un de plus. Ou alors c'est 4 et j'ai pas vu, mais peut-être moyen qu'il y ait un diamant là. Ah, ok, il n'y a pas de diamant, je pensais. Bon, on va descendre encore. Merci, s'il te plaît. Tu sais quoi, dans le projet pioche en diamant, j'avais dit, fallait également. Voilà, pioche en netherite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'améliorer maintenant en netherite, vu qu'on a de quoi faire. Ce sera la première pioche en netherite. Voilà. Je te rappelle, on a besoin de 9 pioches en netherite. Donc, les pioches, on peut se permettre de les améliorer. Par contre, les autres outils, on va les laisser en diams. Parce qu'évidemment, on n'a pas assez de netherite pour ça. Mais pour le craft, c'est 9 pioches en netherite et non pas 9 pioches en diamant. Donc, faudra forcément les transformer à un moment donné. Bon, descendons un petit peu. Il y a encore du diams. Donc, je t'ai dit, il y a pas mal de diams dans cette map. Hein. Le diamant aujourd'hui est plus facile à trouver que d'habitude. Ça mine à quelle vitesse ça? Eh, ça mine plutôt vite, hein. Ça meurt, s'il te plaît. Enfin, il nous faudra un arc aussi. J'avoue, je dis pas non, une épée en diams. Bon, déjà, prenons ce que le jeu nous offre. Après, on va rush le diams. Là, il y a un truc ici. Ouais, bah écoute, on va grimper. Hein. Je vois pas vraiment d'autre solution que de grimper. Voilà, pour atteindre le diamant qui est là. Voilà. Eh, mais c'est des bons filons en plus, hein. Ça se voit que c'est une map qui a été customisée pour donner. Ah ouais, d'accord. What? Combien de diamants j'ai eu là? No joke, combien de diamants j'ai eu? Hop, ok, 10 diamants. Bon, bah tu sais quoi, on va se faire plaisir. Une hache. Bon, j'avais fabriqué une houe, c'est bon. Du coup, j'ai bien une hache. Là, c'est quoi, on va changer nos outils, parce que là il est temps d'améliorer un petit peu tout ça. Donc une pelle. Bon là où non, ça, là où ça compte pas. Faut pas exagérer quand même. Par contre là, les bottes en diamant, tu vois, pour le fun, ça peut être rigolo. Voilà. Voilà, donc là on a commencé à être full diams. C'est une bonne chose. Donc là on va explorer à la recherche de diamants. Pas compliqué. Comme je t'ai dit, il va y avoir beaucoup plus de diamants qu'en général. Donc il y a juste à trouver des grandes galeries comme ça, tu vois. Voilà, et là regarde, passe ta vue, il y a du diamant partout. Hein. Diamant là, 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 regarde, là, là, là. Donc je t'ai dit, voilà, aujourd'hui le diamant n'est pas un problème. Hein. C'est pas un problème aujourd'hui. En plus, regarde, des gigafilons. C'est cool d'avoir des maps comme ça avec un peu plus de diamants. Voilà, il y en a vraiment beaucoup. Hein. C'est fait exprès. Même un peu facile, je dirais. Non, parce que là, ça remonte. Je pensais que c'était le même endroit, mais pas du tout, en fait. Je pensais que c'était la galerie ici, mais en fait, ça ne redonne pas du tout au même endroit. Alors, il y a diams au plafond, diams par là, creeper par là. Attends, j'ai eu combien de fils? Ah, j'ai eu 2 fils. Faudrait tuer une araignée de plus, les potes, pour avoir. On va bientôt avoir la pioche, hein, t'inquiète. Il y a des diamants là-bas. Il y a vraiment du diamant partout. Hein. Voilà. Alors, diamant par là. Combien? Oh, ok, encore pas mal de diams. Mais regarde tout le diamant qu'il y a. Alors. Le plastron, ça. Hop, et bah voilà, regarde, on a la classe. Donc là, on est déjà presque full diamant. Ça a encore quelques petits diamants et on aura déjà l'armure complète. Après, on pourra commencer à farmer les 9 pioches. Ça va aller vite, hein. Ça va aller très très vite. Voilà tout le diamant. Regarde tout le diamant qu'il y a alors. Salut. Et ah, encore du diams ici. Voilà, on a la tenue complète en diams. Enfin, non, la quantité de diamants qu'il y a en un filon, c'est impressionnant. Donc le casque et. Donc ça, le casque. Donc là, on peut commencer à farmer les pioches. Je te rappelle qu'il faut 9 pioches. Donc c'est pour ça qu'il faut de la place dans l'inventaire parce que les pioches, ça ne se stack pas. Voilà, donc là, on va aller là. Donc là, tu vois, il va falloir ne pas garder certains trucs, genre ça, par exemple. Ça a bougé, ça, ça bouge. Ça, ça reste, ça, ça bouge, ça, ça bouge, ça, ça bouge, ça aussi. Le reste, ça aussi, ok. Voilà, on a 4 pioches. Il faut encore 5 pioches et je te montre la pioche ultime. Ça va aller vite, hein. Encore une fois, juste à trouver du diamant, ça, regarde, il y en a. Donc là, il y a juste à trouver du diamant, fabriquer les pioches manquantes. Ça va aller très, 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 très vite. Transformer les pioches en isolite. Non, mais combien de diamants il y avait là? 5 de fou, regarde. Donc là, combien on peut en fabriquer encore là? 4 de plus. Enfin, j'ai même pas assez de bâtons. Donc là, on est à. Donc là, nous sommes à 3, 6, 7. Ok, il en manque 2. Mais ça va super vite en fait. Non, même pas, il en manque une. Ok, une pioche, les potes, et c'est bon. Du coup, attends. Là, on va les améliorer immédiatement avec la
anésorites. Voilà, là. Ok, regarde ça. Regarde ça, tous les pioches anésorites qu'on a là. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bon, maintenant, il manque plus qu'une pioche en fait. Attends, j'ai juste trouvé un petit peu de diamants. Genre 3 diamants. Même pas, attends, combien? 2 diamants et c'est bon là. 2 diamants. Alors, est-ce qu'il y en a par là? Ah, il y en a au plafond. J'allais dire, faut aller un peu plus loin pour une fois, mais non, en fait. Le jeu est trop généreux. Enfin, j'en ai déjà assez. Hein. Je prends tout le filon, mais j'ai déjà assez là. Ok, il est temps de découvrir ce giga pioche. Donc, attends, déjà, première chose, on va améliorer la dernière pioche. Ça, hop, on avait pile assez pour ça. Voilà. Maintenant, le craft ultime que je t'ai montré au début. Ah là, la pioche x9. Ok. Déjà, les fidgety disent, qu'est-ce que ça veut dire? Regarde déjà la cavité se casser bloc. Voilà. Rien que ça, déjà, juste pour que tu saches. Hein. Ok. Donc là, t'as vu la vitesse à laquelle je casse les blocs. Hein. Ok. C'est important, tu vas voir. Sharpness 5, auto smelt. Alors, ça veut dire qu'en gros, les items sont automatiquement. Regarde, quand je casse un item, regarde, c'est automatiquement un lingot. T'as vu? Attends, comment ça fonctionne? Attends, je crois que ça marche pas sur tous les items. Ça marche sur les certains items. On va tester. On va tester. Donc, je t'explique. Quand tu casses des items avec cette giga pioche, ça va donner des items spéciaux. Tu vas voir. Bon, pas la redstone, mais d'autres items. Bon, alors, pour te montrer, je vais spawn directement des minerais. Comme ça, c'est plus facile. Bon, on va casser des minerais. Regarde. Et là, regarde. Donc là, tu remarques que les minerais déjà arrivent automatiquement cuits. Tu vois? Normalement, faut les mettre au four. Là, y a pas besoin. Donc là, j'ai obtenu des items un peu spéciaux. Tu vois? Donc là, regarde. J'ai des, tu vois, des items enchantés. Donc je vais cliquer droit avec et ça va avoir des effets. Bon, on va montrer tout ça avec tous les items. Chaque item a un effet différent. Donc je vais prendre tous les items en version customisée. Alors ça marche pas sur tous les items non plus. À la redstone ça marche. L'émeraude normalement ça marche. Et normalement. Voilà. Donc là j'ai à peu près tout. Ok, c'est bon, ça marche. Il y avait un petit bug. Alors, déjà regarde. L'émeraude qui droit, ça fait spawn un marchand. Mais regarde ce marchand ce qu'il vend. Regarde ça! Il vend des armures de fou. Pour rien du tout. Alors, on va en profiter et faire quelques achats. Nous allons acheter une netherite. Regarde le casque, il y a tout. Un quoi, Affinity Protection 10, respiration, temps de 5. Pareil pour l'armure. On va faire nos courses. Je vais jeter des items qui servent à rien. On va acheter ça. J'en ai trop acheté. Hop. Et on va acheter ça. Ok, donc là, notre armure en diamant qui était déjà stylée est remplacée par une armure netherite de fou. Il y a tous les effets du monde. Ensuite, toi. Ok, une Fire Aspect. Regarde l'épée de fou. Fire Aspect. Donc, on va tester ça. L'arc de fou aussi. Le trident. Les élytras. Trop pratique. Trop pratique. Alors, déjà, il faudrait des mobs pour tester ça. On va mettre la nuit. Attends, on va mettre la nuit. Ok, il fait nuit. Ça va spawn. Donc là, regarde le cochon. Boom. One shot. Évidemment, ça marche avec tout. L'arc aussi. Boom. One shot. Le trident. On va essayer de trouver des mobs. Est-ce que le trident il revient? Attends, hop. Yes, il revient. Regarde, zombie. Salut, zombie. C'est moi, Aquaman. Regarde. Boum. Ah, c'est pas si fort que ça le trident. Enfin, c'est fort comme ça, mais c'est pas si fort en lançant en vrai. Ok. Donc là, on est ultra cheaté. Mais là, c'est un item. Hein. Ok, les potes. On continue la démonstration. Donc, j'ai changé de version parce qu'en fait, il y a des trucs qui marchaient pas. Quand on était en 1.19, il fallait être en 1.16.5. Il y a des trucs qui marchaient pas bien. T'inquiète, ce que je t'ai montré, ça marche très bien. Le villageois, ça marche très bien. Le reste, il fallait changer de version. Donc, je te montre un peu les autres effets de pouvoir qui sont ultra stylés. On va passer en créatif, faut pas mourir. Donc là, regarde. Ça, ça fait spawn une planète qui tombe sur. qui tombe, regarde, du ciel. Regarde. Donc, c'est vraiment la Terre. Regarde. Hop, c'est la Terre qui tombe. Hein. T'as vu? C'est incroyable, hein. Donc ça c'est de la piste Azulis, voilà, en version customisée. Ensuite, t'as plein de trucs, ça fait, c'est une bombe, hein. Regarde, tu lances, hop, boum, voilà, regarde, tu vois, là tu peux littéralement bombarder, voilà, ton monde Minecraft, voilà. Ça fait spawn, regarde, hop là, une armée d'enclumes qui tombe du ciel, donc ça c'est pratique pour troller tes potes. Ça il faut tester avec un pote, hein, c'est plus drôle, j'inviterai Neoflix pour tester, ça peut être rigolo. Ça c'est quoi, Redstone Zap, ok, ça fait spawn des éclairs, d'accord, c'est original, très original. L'émeraude tu as déjà vu, je crois que c'est bon, hein. Je crois que c'est bon. Ouais, les mots, c'est des trucs cheatés. Bon, bah c'était tout simplement peut fusionner 9 pioches dans Minecraft. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, je t'invite à t'abonner et activer la cloche. C'est très important. Comme ça, tu ne manqueras plus jamais une vidéo à venir. Abonne-toi et active la cloche. C'est très très important. Très très important, je tiens à te remercier. Si t'es vraiment arrivé jusqu'à la fin de la vidéo et que tu n'as pas manqué une seule seconde de cette vidéo incroyable, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire que t'es bien arrivé jusqu'à la fin. Ça me fait très plaisir et ça montre que t'es un vrai. Très très important, je t'invite à regarder une autre de vidéo qui s'affiche là maintenant à l'écran. Tu as deux nouvelles à l'écran, clique sur une d'entre elles, comme ça on reste ensemble. On se retrouve directement dans une autre de mes vidéos. À toutes!